reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour toutes les personnes du signe zodiaque Lion, inclus les personnes, you know, de tous les signes zodiaques qui ont peut-être leur ascendant Lion quelque part dans leur Vénus, you know. Jupiter, Scorpion, machin, de toutes les manières, je vous ai déjà dit, je suis divinatrice, je ne suis pas astrologue, ok? But, on va aujourd'hui faire une lecture rien que pour vous. Histoire de voir ce qui se passe ici dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc ce soir, j'ai envie de m'amuser un peu. Ce soir, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'affairer. J'ai envie de voir ce qui se passe là-bas. Donc, on va jouer avec les cartes rouges ce soir. Bienvenue dans la saison. Est-ce qu'on est déjà dans la saison des béliers? Mais c'est pas, ça n'a pas encore commencé. Qui est sur les béliers? La saison est bientôt arrivée. Bref. Ok, c'est parti. Voyons ce qui se passe ici avec les lions. Cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement en train de traverser une période très difficile dans votre relation amoureuse. Vous êtes peut-être ici en train de traverser une période très compliquée dans votre relation amoureuse. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire est intéressé à quelqu'un d'autre. Ou encore, vous avez ici l'impression que les gens sont en train d'essayer de séduire votre partenaire, d'essayer de vous arracher votre partenaire. On aura ici beaucoup de relations triangulaires qui tout d'un coup apparaissent de nulle part. On aura ici des relations triangulaires qui tout d'un coup démarrent de nulle part. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez l'impression que votre partenaire n'est plus vraiment attiré par vous. So, il y a peut-être un problème physique ici, soit c'est le lion qui n'est plus vraiment attiré physiquement par son partenaire, ou encore vous êtes ici le partenaire qui n'est plus vraiment attiré par votre partenaire le lion. Donc, les choses sont en train d'être un peu compliquées dans la situation. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où vous vous dites que, oh non, vous devez peut-être ici aller à la gym, faire le sport, you know, essayer de changer votre apparence physique. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression que vous n'êtes pas vraiment le genre de votre partenaire. So, en tout cas, il y a des problèmes qui sont en train de s'installer dans la relation que vous avez ici avec votre personne. Ok. Des secrets qui sont cachés, des secrets qui ne sont pas révélés. C'est un patient où on a ici quelqu'un qui vous a caché une certaine vérité qui est en rapport avec un avortement. Un avortement, on a quelqu'un qui a enlevé un enfant derrière votre dos, elle était enceinte, vous saviez qu'elle était enceinte ou encore vous aviez cru que bon, vous l'aviez mis enceinte et bam, on a ici quelqu'un qui vient vous dire que oh non, elle n'est plus enceinte, elle a enlevé l'enfant, elle a enlevé, elle n'y avait plus, ok? Pour une autre partie d'entre vous, il y a des fortes possibilités. Encore une fois, il y a quelqu'un ici qui... Ne regardez pas mon ombre, m'a donné. Avec ce côté-ci. So, pour une partie d'entre vous, il y a des fortes possibilités que... Il y a quelqu'un qui cherche à séduire votre partenaire. Ça fait combien de fois que je dis ça?
y a quelqu'un ici qui veut coucher avec le mari d'une personne, la femme d'une personne. Non, ça peut être quelqu'un que vous avez invité chez vous à la maison, quelqu'un qui est venu chez vous à la maison. Vous n'avez pas vraiment prêté attention aux signes. Il y a des signes auxquels vous auriez dû prêter attention à. Vous n'avez pas vraiment prêté attention à tout ça. Et on a ici quelqu'un maintenant qui essaye d'être intime avec le mari d'une personne. Puisque maintenant, vous, il y a des cadeaux que vous avez commencé à remarquer autour de la maison, des cadeaux. On a quelqu'un qui achète des cadeaux pour quelqu'un. On a quelqu'un qui cache des cadeaux dans la maison. On a quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux dans la situation. Attends, c'est même pas ce qui se passe. Ton argent, ça va où? Ton argent là, ça va où? Son argent va où? On a ici quelqu'un qui commence à faire des choses qui sont louches, ok? Pour d'autres, c'est peut-être aussi votre partenaire qui commence à recevoir des cadeaux des hommes. Elle reçoit les cadeaux des hommes, les trucs des hommes. Tout le temps, vous lui demandez, mais ça, ça vient d'où? Qui t'a acheté ça? Qui t'a donné ça? Elle a toujours des excuses pathétiques et bidons. Des excuses pathétiques et bidons à vous donner. Des excuses pathétiques et bidons à vous donner. À vous expliquer. Attends d'abord. Attendez d'abord. Je viens de commencer. Des excuses pathétiques. Donc, il y a ici certaines choses qui doivent être révélées. Pour nos partisans, vous, c'est peut-être ici aussi quelque chose qui est en rapport avec un mariage. Sûrement que vous ne savez plus si vous voulez vous marier avec quelqu'un. Vous essayez d'être honnête avec quelqu'un. Vous essayez d'être honnête avec vous-même. Vous essayez d'être honnête envers quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de me marier avec toi. Je ne sais pas si on doit se marier ensemble, si on doit vivre ensemble, si on doit rester ensemble. Mais pourtant, il y a ici quelque chose qui se passe. Et cette chose ici qui se passe là est plus en rapport avec le fait que malgré les doutes qui vous traversent, malgré les doutes qui pénètrent votre être, vous êtes quand même toujours amoureux de votre partenaire. Vous êtes attirant de vous, ne voulez pas perdre votre partenaire pour une autre personne. Vous ne voulez pas. Même si votre partenaire vous trompe, vous ne voulez pas perdre votre partenaire. Même si des gens essayent de séduire votre partenaire, vous ne voulez pas perdre votre partenaire. Il y a le doute ici qui existe vis-à-vis de la fidélité établie dans votre couple. Mais vous ne voulez pas perdre votre partenaire. Vous voulez vraiment continuer de travailler sur la relation. Vous voulez essayer. Pour une autre partie d'entre vous, il est fort probable que vous sortez avec un grand trompeur, trompeuse. On a ici quelqu'un qui est un grand infidèle ou une grande infidèle. On a ici quelqu'un qui n'est pas loyal dans une relation amoureuse. Impossible. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous êtes ici en train de vérifier, que quelque chose que vous êtes ici en train de... remarquez, pour une autre partie d'entre vous, par contre, il y a de fortes possibilités que vous voulez tester votre partenaire. D'accord? Donc, si c'est une nouvelle relation, si c'est un nouveau... Il y en a une nouvelle relation que vous êtes en train de commencer avec quelqu'un, vous voulez ici tester votre partenaire. Tester votre partenaire comment? Vous voulez ici tester votre partenaire en... Vous voulez voir si votre partenaire est fidèle. Donc, je ne sais pas si vous voulez tester la fidélité de votre partenaire. Peut-être que vous voulez demander à un de vos amis de draguer votre partenaire pour voir si votre partenaire va accepter. Ou d'autres, peut-être aussi que vous êtes ici en train d'assister à votre partenaire en train d'être dragué, hein, dragué par quelqu'un d'autre. Et vous êtes ici en train de vous demander si, bon, vous êtes ici capable de supporter la situation. Ah, c'est je sais pas comment expliquer ça, mais ça c'est carrément
le cri de cœur de la tentation, quoi. Ah, c'est vraiment le titre de cette vidéo. Le cri de cœur de la tentation. Ah, c'est le cri de cœur de la tentation. Pour une partie d'entre vous, vous vous demandez si une femme vous aime autant que vous, vous l'aimez. Et si vous êtes ici une femme, vous vous demandez si un homme vous aime autant que vous, vous l'aimez. Vous vous demandez si votre couple va supporter ici les difficultés, les épreuves que vous êtes ici actuellement en train de vivre. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est écrit juste en bas de cette vidéo afin d'avoir accès à la deuxième partie de cette lecture. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.